Ah bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang, Fox et Revos pour un nouvel épisode de PUBG Bonjour. Défi. C'est un épisode... Ah, de toute façon moi j'ai rien à faire normalement, j'ai dit que je te suivais là, c'est ça, tout va se faire tout seul, c'est ça? Ouais. Ok, ça marche. Je vais sauter et tout va se faire tout seul. Donc c'est un défi go fast, enfin kill car, moi je fais plutôt ça un go fast parce qu'on va pas faire exclusivement des meurtres à la voiture. Mais voilà, la règle c'est... Ouh, il y a des gens qui sautent avec nous. C'est qu'on a le droit de tuer les gens, bah évidemment avec un véhicule. On a le droit de tirer avec toutes nos armes ouais, sans restriction quand on est dans le véhicule. Si. Par contre, dès qu'on est hors véhicule, on a juste le droit aux armes de corps à corps et armes de poing. Donc pistolet et compagnie. Ouais, y'a un mec avec... Y'a un mec, venez on se le y fait un à main seul nue. Mec avec... Venez on se le règle à Allez, allez, vas-y. Et franchement, il est où? Il est là sur moi, à côté avec de Ribos. Venez on le règle à main nue là, direct. Direct, parce que dès qu'il trouve un flingue, on est dans la merde. Il est rentré dans la maison. Ah ouais, putain, merde. Vite, faut trouver un pistolet, vite, faut le battre. Eh, je le pète, j'arrive. On arrive, on arrive. Ah, c'est bon. C'est bon, tu l'as eu? Il est mort? Ah ouais. Putain, c'est beau ça, tiens, je te mets une patate. Aïe! C'était joli, ma gueule. Bouffe ton pain. J'ai voulu t'aider, hein. De voler le kill. Ah, bref, j'ai voulu t'aider quoi. Oh, il a dû être démoralisé. Aucune arme. Bah, fallait pas sauter avec nous aussi, fallait qu'il se barre aussi, le con. Ça, c'est vraiment. C'est vraiment les enfants qui testent ce genre de conneries. Bon. Y'a rien à loot, y'a rien à loot, y'a rien à loot, mais le loot. Oh, bon, fusil à là, on a droit au sac par contre. Ah ouais, on a droit au sac, le retour du sac. On s'est bien débrouillé en vrai sans sac. Hein. Bah, en même temps, bon top 1. Oui, on s'est plutôt bien ouais. Débrouillé. Qu'est-ce qu'on pense? Il faut se prendre plutôt un bon pistolet, hein, pensez-y, hein, parce qu'on risque de beaucoup se battre au flingue à partir d'un certain temps. Moi, j'ai le Desert Eagle, je pense que ça peut le faire. Ah, je pense que t'as des arguments en vrai. Hein. Je pense que. Mais il faudrait un petit. Là, il y a une Scarelle avec 60 balles ici. Ah, j'arrive tout de okay. Suite. Je rush me ce que bliot. Alors je prends bien sûr, du de l'essence parce qu'il en faut, il faut de l'essence. Ah, c'est pas fou. C'est que DP 92 là, ouais, c'est que DP. Ah c'est vraiment des armes de paire. Hein. De DP. Ouais. Oh, il y a une petite grenade. Il y a un gilet 2 ici. J'ai noté le gilet 2. J'ai pas de ouais, casque. Il y a deux gilets de là. Oh. Et on n'a pas la zone. La zone, bah bien sûr. Ouais, bah c'est ah, ça va. On est en voiture. Zone, hein. C'est un peu compliqué. On sera en voiture de toute façon. Ah, je vais faire un petit proche au garage. C'est pas un problème. Enfin, on sera en voiture si on en trouve une. Pas grand chose à die sur ces maisons. Vous avez vraiment fait toutes les maisons, genre là. Il y a vraiment rien à becter là comme ça là. J'ai casque 2. Vous avez vos gilets 2 hein, tous les deux? Non, non, non. Bah, point mais jaune, il y a deux gilets 2. Il y a un VSS ici. Touk. Touk, le touk touk. Sac 3. Comme ça. Comme ça, Zinedine. Le baladais. Sac 3. Zinedine Mhloub ou Zinedine Zidane? Bah Zidane à ton avis. J'ai vraiment aucun raccourci, même pour mes flingues, ça me vénère. Oui, des vidéos s'enchaînent, j'ai toujours pas de raccourci, et alors? Et alors? Vous allez faire quoi? Du C4! J'ai trouvé mon nouveau jouet. J'ai trouvé mon nouveau jouet. Ah, du C4 c'est bon ça. C'est très très bon. On a le droit de faire du... Ah, sac 3 sur ma position. Je répète, sac 3 sur ma position. Ça tire pas loin. Hein. Ouais. J'arrive pour le sac 3. Ah, c'est la maison à côté. Il y a un mutant ici. Il y a un mutant, tu veux dire, dans la... Dans la tour? Dans la... Là-haut, la tour. Ouais. Dans la guérette? Dans la guéridette, bon bah je prends surtout des... Attends, j'ai pas de casque 2 hein, la misère hein. Ouais. Y a pas moyen de trouver tes gilets 2 là. Bah gilet 2 ça c'est bon. Ah si, ça y est. Casque 2. Plein jaune, tu l'as trouvé. Ça y est. Ah, ok. Il s'était caché. Mutant tier 0, vas-y ça marche. C'est du 762 ça hein. Ah ouais.
En vrai. Sans déconner. Ouais, je vais chercher la première voiture de la game. Donc là, on est dans le coffre-flingue, donc je me balance avec le flingue. Il y a une voiture ici. Okay. Ah, mec, il y a un mec qui vient sur la voiture là. Il y a un mec qui vient sur la voiture. Je prends la voiture vite fait et je l'écrase. Il est où? Il est vers le. Il est vers il est le nord. Vas-y, vas-y, moi je pourrais tirer au pire. Tu peux me dire il est, allongé là, à droite de la, à gauche de l'arbre, à gauche de l'arbre, il est allongé. Là, ouais, gauche de l'arbre, droit dedans, ouais. Premier. Son pote, il est là-bas. J'ai plus de roue, je crois. Je recule, mais j'ai plus de roue. Tu veux rester dans la voiture ou tu veux... Voilà, t'es au flingue, hein, si tu sors. Ouais. Il est dans le... Il est où son pote? Bon, bah, j'ai fait mon premier écrasage. Il est où son pote? Si vous avez des grenades, c'est le moment. Il est où son pote? Il est là où il y a la smoke. Son pote, il est là, la guérite. Je me fais prendre dans le bac. Ah, c'est bon. Il y a des mecs qui nous tirent dans le bac. Non, 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 il est à la guérite, il est. Là, je suis mort. Là, il y a un mec encore dans la smoke, putain, il y a encore un autre mec dans la smoke. Ah ça c'est le mec que vous avez dû écraser, je me déteste. Ouais. Il est dans la smoke Fox. Le pire c'est que j'ai... Headshot gros. Il avait fait mal ce pistolet. Désolé Knarf. C'est pas grave. Hein. Oh, par contre, on en parle de ses points de vie quand il est à terre. 3 balles de 7,62 dans les côtes. Magnum. Ah putain, j'ai mal joué, tant pis pour ma gueule. Je sais pas pourquoi. Non, si je sais pourquoi, j'ai encore les yeux qui collent. Et vous savez quoi? Pendant ce temps-là, je montre le menu pour rebind les touches. C'est intéressant. C'est vraiment un beau menu, hein. C'est vraiment. C'est vraiment. Je suis en train de posséder affectation des touches là. Il faut vraiment que j'ai mes raccourcis. Tiens dessus. C'est vraiment de fou ça. J'ai pas vu de scope chez lui. Mais là, on a le droit à pas de scope. Ah, il y a une fois 8 là. Mais moi ça va. Ouais, c'est vrai que le scope ça sert pas à grand chose. Ça, il peut pas, c'est une touche qui existe pas, genre. Faut qu'on aille chercher un pistolet, une voiture. Ouais. La blague. Ah ouais, d'accord, les touches avant n'existent pas pour lui. Ça c'est rigolo ça. Non. Je le vois, il est là. Non, changer de mode de tir, on remet ça en B. Ouh, ça va être chaud, ouais. Attaque de mêlée. Allez. Hop. Il est juste derrière le muret, il arrive. Il est là, là. Bon, on se casse, hein. On peut pas prendre cette fight, c'est pas possible. Cet ennemi est trop fort pour nous. Mais j'ai plus de. Là, voiture, véhicule, véhicule. Ah, c'est bon, on va pouvoir le fight. Ouais. Ah. Vas-y, viens me chercher, je le surveille. Tu peux me dire où est le véhicule? Juste devant toi, là? Non, ah, oui, c'est un truc cramé. Hein. C'était la butte. C'est un truc. Non, 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 ici, là. Tu observes qui? Tu observes Ribos ou moi? Là, je suis sur Ribos. Ah, non, faut qu'on. Je sais pas. Non, faut qu'on se casse. Ribos, je suis sur Ribos. Okay. Faut qu'on se casse. On se casse ou on le fight? Non, on se casse, la zone elle est là. T'as vu tout ce qu'on a à parcourir? Si on va faire une game run, ouais. on va aller écraser des. Des bottes. Des gens. Donc là, vous pouvez prendre vos vraies armes et tirer comme des sous. C'est bon. Vous avez le droit de tirer comme des Mexicains, autorisé. Allez, ici il va y avoir du monde, point bleu. Point bleu, il y a moyen d'écraser les gens. Je continue sur les routes pour que tu trouves un véhicule à toi. Ça pourrait être intéressant. Ah bah là, il vaut mieux avoir deux véhicules, hein. On sait jamais. Hein. Si t'en fais flinguer un, tu peux encore bouger quoi. En tout cas, GG Fox, puisque t'en as écrasé un, t'en as eu un. Hein. Bah ouais, j'en ai eu un. Hein. Pour l'instant, Fox, MVP. Suivi de Rebos avec tapassage à main nue réglementaire. Et un headshot de R18. Et une voiture là, je sais pas où. Et une voiture derrière, je sais pas où. Là. Non. Ouah, vous êtes fait compasser. Eh, hey, t'as l'automatique. Oui, t'en bats. Oh non, voiture. C'est bon. Oh, allez. Bon. Eh, hey, voiture, arrête-toi. Tu veux la prendre? Ouais.
C'est parti mon kiki. Attends, on va le looter le gamin. Ah ouais, bah, franchement. Ah non, j'y vais moi, je vais le looter, tu peux y aller. Oh là là, c'est les alcooliques au volant. Je peux pas voler. Ah, il est là, il est là. Oui, c'est les gens pour... des bandages. Ah bah je pense à... Pour faire 3 mètres, il prend une voiture, tu sais. Alors, attends, je me mets des soins. J'ai 71 bandages, ça devrait le faire, non? Ça va. Ouais, tu vas pouvoir te soigner avec quelques bandages, quoi, je pense. On pourrait se faire aussi une game premier secours. Ou genre, c'est quoi, en fait, t'as droit qu'au bandage. Et que t'es sur le terrain, t'as droit qu'au bandage. Rien d'autre. Seulement au bandage? Ouais. Rien d'autre? T'as pas droit aux canettes? Non. Tant que t'as pris des cartouches, t'as plus le droit à plus de 75% de ta vie. Ouais. Bah, je peux pas rouler vite, j'ai pas assez d'essence. Ou sinon, une game Energy Drink, t'as droit que Coca-Cola. Bon, toute la partie, t'as droit qu'au Coca. C'est bon, t'es en train de faire des placements de produits là en Scredos. Salut. Merde. Salut Matt, ça va ou quoi? Ah, on va vendre le quatrième joueur. On est en train d'enregistrer Matt. Hein. Dis bonjour à ton tube. On est en enregistrement là, on fait un défi. Salut à tous, tout le monde. J'espère que ça va. Bon défi à vous, bah, du coup je vais vous laisser jouer et puis bah t'es bien. Tu vas à quoi? Bah je voulais jouer, je vous laisse jouer pour pas vous déranger. Mais non mais tu peux. Ouais, je reste là mais je veux dire voilà. Ouais, mais reste wesh. Avec ton agressif, tu sais. Genre au début, oh, tu peux rester, mais putain, tu vas rester, oui. Fais de l'animation. Là. Divertis-nous, pauvre fou. Ah, ça y est, ça a changé. Vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait comme défi? On a fait un défi, premier défi sans sac à dos, on a fait top 1. Ah, bien. Sur quelle map? Sur Air Angel. Ok. Je t'attends, mec, parce qu'il y a des ennemis en voiture. Je suis là. Là, on est en train de faire un véhicule uniquement. Enfin, véhicule, t'as le droit de tuer les gens uniquement avec ton véhicule et avec toutes tes armes quand t'es embarqué dans le véhicule. Sinon, armes de corps à corps et. J'ai plus le nom, armes de corps à corps et. Bâté. Et armes de poing. Flingue. Et armes de poing, si t'es descendu de ton véhicule. Et c'était une très bête vidéo jusqu'à que je meure comme un con. Ok. Voilà. Il y a un véhicule là. Ouais, ok. Il est sur la route là. Par rapport à toi, il est. Ouais, il est parti. Il est parti. Ok, on s'en va. Ouais. Tu prends ton moton, on s'en va. On va à Meet Up Hour direct. On s'en balèque. Ouais, c'est pas. Combien de vivants vous avez là? 44. 44, Mais ça va se réduire très très rapidement. D'ailleurs, je suis étonné que vous soyez encore autant. Ah non, mais vous serez plus que la moitié quand le cercle aura fini sur Meet Up Hour, en fait. Bon. En fait, vous serez maximum 20. Attention, hein, c'est peut-être le moment pour vous d'en profiter pour raser un maximum de mecs à coup de véhicule. Hein. Parce qu'après, dans Meet Up Hour, ça risque d'être compliqué. Hein. Niveau past. Hein. Enfin, ils vont finir au pistolet, quoi. Oh non. Est-il ? On va finir au pistolet. Oh non, que... oh non. Cette balle, hein. Vite, viens me chercher, viens me chercher. Pourquoi t'as planté ta voiture? Ou alors qu'est-ce défonce les barrières, défonce les barrières, défonce les barrières. Ah merde. Bah vas-y, monte. Monte, je vais pas perdre de temps à défoncer ces barrières. Là. Véhicule, on va trouver une autre voiture. Bah y'a une moto plus loin, y'a une moto là. Bon, une moto c'est difficile de. Ouais, c'est un peu de plus difficile gens, d'écraser, mais bon. Non, mais garde, t'es de la voiture, parce que la moto c'est suicidaire. Hein. Ouais. Ah, ça a changé de skin dès qu'il est monté dessus, tiens. Donc. Voilà, le mec il a tous les skins du jeu, il a claqué 8000€ dans le jeu. Ah, j'ai plus de décence, ah oh, merde, j'aurais dû te dire d'arrêter. Y'a une autre moto là, y'a une autre moto. Ok, j'y suis sur l'homme. Vous pouvez pas essayer de vous trouver un garage avec des vrais véhicules là? Non, mais c'est tout con, mais le truc qu'on a oublié de prendre sur cette game, c'est de l'essence.
Non, j'en ai pris un, mais ça n'a pas suivi. Y a rien, okay. On va à Mita Power ou... Oh, y a un loot là, un arbre qui vient de tomber. Oh, et, ah oui, yes. Vous avez un gros loot là, Fox. Juste dehors là. Ah, y a juste à rentrer, c'est bien. Vas-y, annonce-nous, qu'est-ce qu'il y a de beau dans la boîte? MK14. Ah, tu veux pas mettre une smoke autour de ta boîte? Ça y est, je suis. Ok, Rebo, s'il ne parle plus, ça y est. Il y a quoi d'autre qui reste? FK14, pour 15, du coup j'ai lâché une fois 6. Ah, c'est tout, ok. D'accord. Ah, c'est tout, c'est déjà pas mal, mais. Comment il râle? C'est de la merde! C'est tout. C'est ça, mais j'ai de la merde, en vrai. Ça va pas servir à grand chose, en fait, la fois 15 si on veut Kharkiv. Ah, faut pas que j'oublie, j'ai du C4. Et en plus j'ai mon raccourci pour le C4. Ah oui, j'espère que vous avez pensé à prendre mon C4. Hein. Ouais, mets-le sur la queue sur la moto, on va... Ah les gars, il y a des mecs là. Il y a 400 bagnoles, hein. Mais vas-y, là t'aurais dû jeter le C4. Ah ouais. Là tu fais le C4 frag. Allez, hein, faut soigner le bobo au doigt là. Bah alors, Fox, j'avais pas ouais, plus j'ai plus de vie dans mon. J'ai plus de vie dans ma voiture. Dans ouais, mais du coup, toi, ça va pas trop mal. Parce que Rebos, c'était pas loin. Hein. Rebos, ils l'ont vu, ils ont tous tir croisé dessus là. C'est tous la méga teuf. Et par contre, il faut leur faire la peau, les gars. Parce qu'ils ont deux bagnoles. La vie dans ton véhicule? Ils ont deux bagnoles. Le problème c'est que, tu vois, oh, je peux faire que pistolet, il faut une bagnole, vas-y viens. Ouais, sinon je pourrais pas utiliser... Ah, il faudrait que t'aies un mec derrière pour lancer un petit C4. Petit C4. Ah ouais, vas-y. Ah franchement, c'est votre seule chance, hein. Je sais pas si ça se lance dans les, si, dans si, les bâtiments, ça. Lance, ah franchement, y'a pas le choix, frère. Hein. Là, faut repasser entre les maisons, petit C4, on en parle plus, hein. Vas-y, colle-le sur le mur, là, vas-y, celui-là. Aïe. Ah, il aurait fallu le coller au milieu franchement. Ouais. Je pense qu'il est gâché. Non, il est pas gâché. Ou alors essayez de vous mettre en haut de là où il y a votre C4 pour les obliger à se ramener vers le mur. Vas-y, viens, on y va au pistolet. Non, mais il y en a un. Voiture, en moto, vas-y. Je vous rappelle que tant que vous êtes sur la moto, vous avez le droit d'utiliser toutes vos armes. Hein. Donc arrête la moto et puis blablabla. Arrange-moi ce coup. Ah, c'est con. En possession du bâtiment. Il joue avec le décor. Merde. Il m'a eu. Fox est mort. Ouais. Attention, t'as du feu. Grenade aussi. Grenade, attention, à ta droite. Oula. Oh, les experts en démolition, quoi. Valérie D'Amido. Oh putain. Les mecs, ils pensent qu'ils jouent à Warcraft 3. Ils pensent que ce jeu, c'est de la dynamite. Oula. Oh là, belle. Ça sent la zeub. Oh le revolver quoi. En plus t'es bon, hein, tu peux rester là toute ta game. Hein. Tu peux rester là toute ta game, mec. Semblant de partir là. Ah, on avait pas autorisé les greux, je crois. Ah si si, on a droit aux greux, bien sûr. Ah ouais, bah trouve des frags, mec. Sinon le C4, sinon le C4 j'aurais pas utilisé. Ah, il était en face. Ah t'es mort. Oh, les mecs qui pavadent alors qu'ils étaient à 4 contre 1 au pistolet.
Putain, ah, c'était sympa. On a fait combien, top combien? J'ai pas vu. Top 14. Eh ben, c'était rigolo. Bon, bah, des bisous, ton tube. Hein. À la prochaine. Bisous, Yetcha.